Première chose, il va falloir que tu changes ton identité. Il va falloir absolument que tu deviennes une nouvelle personne. Alors, les gens, il y en a qui disent être une meilleure version de soi-même, etc. Pourquoi il faut absolument que tu fasses ça? C'est tout simplement que tu ne peux pas avoir les résultats de... Imaginons que tu veux faire, tu veux être millionnaire, d'accord? Tu ne peux pas avoir la même identité qu'aujourd'hui, alors que tu ne fais pas un million, par exemple, un million à l'année. Tu ne peux pas avoir la même identité aujourd'hui que la personne qui fait un million, que la personne que tu seras quand tu vas faire un million. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. En gros, quand tu vas devenir une nouvelle personne, eh ben, tu vas changer tes habitudes et tes actions. Donc, si jamais tu changes tes habitudes et tes actions, eh ben, tu vas être une personne différente. Okay? Et comment tu fais pour pouvoir changer tes actions et tes habitudes? Ben, c'est tout simplement de dire dans ta manière de penser. D'accord? Et tu vas commencer à lire, tu vas commencer à croître et forcément tu vas devenir une nouvelle version de toi-même et forcément tu vas avoir des nouveaux résultats. Mais c'est la folie de croire qu'en faisant la même chose, tu vas avoir des résultats différents. Okay? Je crois que c'est Einstein qui dit ça. Donc c'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que souvent les gens, ils pensent, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, par exemple les gens qui jouent au loto. Tu vois, ils jouent au loto et après, ils perdent tout leur argent. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas, ils n'ont pas l'identité intérieure, on va dire, d'un millionnaire. C'est-à-dire, ils n'ont pas en fait cette intelligence financière, ils n'ont pas cette identité en fait qui leur permet de pouvoir conserver cet argent-là. Okay? Donc, c'est lié aussi à l'intelligence financière. Forcément, le fait de croître, quand je dis changer d'identité, c'est le fait de croître en fait. Et plus tu vas croître, plus tu vas, financièrement, évidemment, dans l'intelligence financière, plus tu vas croître, en tout cas quand on parle d'argent, plus tu vas croître, eh ben, plus tu vas augmenter tes finances. Okay? Donc, dans tous les cas, il va falloir que tu changes ta manière d'être. Ça, c'est la base. Et donc, du coup, que tu changes ton identité. Donc, après, les gens vont dire, ah ouais, tu fais plus la même, peut-être que tu as changé, etc. En fait, tu as changé ou tu n'as plus les mêmes points de référence avec les gens que tu fréquentais avant parce que du coup tu as des nouvelles façons de penser, donc du coup tu as des nouvelles habitudes, tu as des nouveaux loisirs, donc tout change en fait, tu vois. Et c'est pas et le changement qui va s'opérer sera nécessaire et se fera sans même que tu t'en rendes compte, tu vois. Tu vois, prenons un exemple. Imaginons que tu veux perdre du poids, d'accord. Donc tu as toujours été avec des gens qui sont surpoids. D'accord? Donc, vous avez des habitudes, vous avez une manière de manger, etc. Vous avez l'habitude de dire oui, on a tout essayé, mais ça ne fonctionne pas. On a essayé plein de régimes, mais ça ne fonctionne pas. C'est génétique, on ne peut pas maigrir, etc. Donc, vous avez l'habitude de parler comme ça. Mais le jour où toi, tu vas dire, ok, moi, je vais avoir une bonne, un beau corps, une bonne shape, d'accord? Être tracé, avoir les abdos, d'accord? À ce moment-là, il va falloir que tu deviennes une nouvelle personne. Tu vas pas pouvoir continuer à penser de la même manière. Ah oui, on a tout essayé, c'est pas possible, c'est chaud. De toute façon, on prend des kilos, on les repère, machin, etc. Si jamais tu vas devoir changer ta manière de penser. Et après, forcément, tes actions vont changer. Après, tu vas avoir de nouvelles habitudes. Et après, tu vas avoir le corps que tu veux. Tu vois. Mais quand tu auras le corps que tu veux, tu n'auras pas du tout la même identité que quand tu étais en surpoids. Tu vois. Tu n'auras pas du tout la même manière de penser. Donc, tu seras devenu une nouvelle personne et tu ne pourras plus avoir les mêmes références que le groupe d'amis que tu avais qui étaient tous en surpoids. Vous n'avez pas mangé la même chose, etc. Tu vois, tes habitudes auront complètement changé. Deuxième point, deuxième obstacle, il va falloir que tu aies une vision. Il faut absolument que tu aies une vision. Alors, ça veut dire quoi une vision? Parce que quand on entend un mot comme ça, on se dit « Ah, c'est quoi vision ?» etc. Vision, c'est juste savoir où tu vas. Qui tu veux être dans 5 ans, qui tu veux être dans 10 ans, tu vois. Qui tu veux être même dans un an? Quel objectif tu veux atteindre dans un an? Où est-ce que tu vas en fait dans ta vie? La plupart des gens en fait fonctionnent sans savoir où est-ce qu'ils vont dans leur vie. Tu vois, juste le temps il passe et comme ça ils sont là, ils marchent dans la vie comme ça. Ils passent à côté de leur vie en fait. Tu vois? Donc c'est super important que tu saches exactement où tu vas. Qui tu veux être dans 5 ans, qui tu veux être dans 10 ans. En 10 ans, tu peux être tout ce que tu veux en 10 ans. Tu vois, souvent, on veut tout faire en un an, en deux ans, on veut tout rapide, tout vite. Mais en 10 ans, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux être tout ce que tu veux. Qui tu veux être? Et une fois que tu sais qui tu veux être, là, ça a du sens. Parce que des fois, les gens, je les ai au téléphone, ils disent « Ouais, je veux gagner de l'argent. » Ok, pourquoi? Ils ne savent pas. « Oui, je veux investir en immobilier. » Oui, mais tout le monde dit ça. Mais tu fais quoi après? Tu vois? Si tu n'as pas de vision, tu ne sais pas où tu vas, tu n'iras pas. Tu iras nulle part en fait. Tu vois? Parce que l'argent, c'est pas une motivation nécessaire en fait. Ça ne motive pas suffisamment. S'il y a au moindre obstacle, tu vas t'arrêter. C'est aussi simple que ça.
Donc, travaille sur ta vision. Qui tu veux être dans 5 ans, qui tu veux être dans 10 ans, écris-le sur un papier et relis-le tous les jours, écris-le tous les jours pour ne pas oublier qui tu es.